Eh bien, les goûts à tous, c'est Kourou Merkston. On se retrouve sur Planet Crafter. Là, on est parti pour 2 heures de live. Donc, du coup, je pense que je vais pouvoir faire 2 vidéos dessus. Voilà. Donc, du coup, la fois où on s'était quitté, j'avais plus ou moins refait la déco de ma base. Et j'étais à peu près tout ce que j'avais fait la dernière fois. Voilà. Du coup, ouais, pour ceux qui avaient loupé, du coup, j'avais surtout changé les petits modules par des grands modules pour éviter d'avoir la barre au milieu. Et du coup, j'avais fait un endroit où j'ai fait tout mon stockage. Alors, bien sûr, ça va grandir avec l'arrivée des nouvelles compos. Et du coup, bah, j'avais également mis tous mes producteurs alimentaires ici. Un producteur alimentaire, sachant que pour manger, j'utilise que les haricots. Le reste me sert pour l'instant à faire surtout les engrais. Et plus tard, bah, il y aura tout ce qui est bioplastique et ce genre de choses. Donc, j'utilise pas encore tout au plein potentiel, mais je vais en stocker quand même pas mal. Niguzoawena, j'espère que tu vas bien. Tu as passé une bonne semaine. Voilà, pareil, le chauffage, je l'ai transféré ici. Donc, avant, on avait 4, on est passé à 6. Et là, j'ai mes établis. Et je me suis fait un petit bureau. Donc, pour l'instant, tout ça, c'est vide. Mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure des vidéos, ça va se remplir. Voilà, on est parti. On est parti, mais on va faire quoi aujourd'hui? Pareil, tranquille. À part que j'étais bien malade à un moment cette semaine. Là, je suis encore un peu mal. J'ai pas mal mal à la gorge, puis j'ai pas mal mal au dos cette semaine. Et c'était quand? Je crois que c'était jeudi où je suis rentré de mercredi ou jeudi, je suis rentré de cours, mais complètement HS. Je me gavais au médoc, j'étais complètement shooté. Ce qui a beaucoup fait rire ma copine d'ailleurs en me voyant. J'avais carrément un nez qui sortait tout seul tellement j'étais défoncé par le médoc pour éviter d'avoir mal. Alors, qu'est-ce qui ne monte pas très très vite? Je dirais que c'est la pression, mais du coup, qu'est-ce qu'on veut débloquer? Ah, c'est parce qu'ils sont taisés, ouais. C'est bien ça. Alors, ça, c'est du général. C'est tout qui est influencé. Oh, j'en suis très très loin. J'en suis très très loin aussi. J'en suis affreusement loin. Je serais incapable de dire ce qu'il y a de plus proche. Hein. Par contre, je viens de voir que j'ai débloqué une fusée. J'ai débloqué une fusée. Qu'est-ce que je viens de débloquer? T'attends voir ce qu'il y a écrit parce que moi j'ai pas le temps de voir ce qu'il y a écrit. Là, j'ai rien débloqué. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'avais déjà. J'ai rien débloqué. Le jeu qui bug. Ah. Alors, ça, normalement, il va y avoir une grosse mise à jour au niveau du mois d'octobre. J'attends de voir vraiment ce qu'ils vont faire. Sachant que là, on a une mise à jour il y a peu de temps, au courant septembre. Ils avaient mis à jour, du coup, le moteur graphique. Oula. J'ai un bug d'affichage là. J'ai un petit peu d'affichage. Grave, hein. Ah, je vois les particules, c'est bizarre. Donc, du coup, ils ont mis à jour le moteur graphique du camp pour prévoir justement la suite du jeu. Et du coup, j'attends de voir ce que va donner la prochaine mise à jour, de voir ce qu'il nous prévoit. Attends, là, je pars, je sais même pas ce que je vais faire en fait aujourd'hui. Je pourrais un petit peu augmenter toutes mes productions. Bah, du coup, alors première chose à faire, voir combien il me reste d'énergie et voir ce que je peux faire. Parce que je vois, j'en ai déjà 6, donc ça sert à rien que je m'en mette plus. Peut-être une autre machine pour la pression. Et peut-être voir pour augmenter l'oxygène. Par contre, je vois aujourd'hui, j'espère qu'on pourra enfin avoir les hacks. Et je vois qu'à mon dernier stream, je voulais. Alors, je sais plus, je voulais des ags. Par contre, pourquoi faire? Je voulais faire quoi? Je me souviens plus. Ouais.
Désolé pour ceux qui n'aiment pas être sous l'eau. Je vais faire assez vite. Merci que vous ne soyez pas gênés. Pareil niveau fusée. Qu'est-ce que je pourrais lancer comme fusée? Non, c'est pas du tout envisageable. Ça non. Je pourrais en faire une avec de l'uranium, mais du coup il me faut un moteur de fusée, je crois que j'en ai plus de moteur de fusée en réserve. Qu'est-ce qu'on a comme mag? Vraiment plus rien. Hein. Ah, je sais plus ce que je voulais faire en quittant le dernier stream. Moteur de fusil, il me faut 2 d'uranium, mais est-ce qu'il me reste d'uranium d'ailleurs? Ah ouais! Ah tiens, mais je vais faire une fusée à uranium, tiens. Il me faut quoi d'autre? Une barre d'iridium. Ah, j'ai plus d'iridium. J'ai plus d'iridium. Ah bah, on va aller chercher l'iridium, tiens. On va reposer l'uranium. On va chercher un petit peu d'iridium. Ah, je sais plus ce que j'ai prévu de faire au dernier stream, à la fin. T'en souviens, Brenna, ou pas? Le pire, c'est que mes enfants regardaient la vidéo qui est sortie hier aujourd'hui. Et je me suis... Du coup, j'ai regardé un petit peu avec eux, et je me souviens plus du tout ce que j'avais dit que je ferais. J'ai ramené tout ça. Oh, en cas où. D'ailleurs, j'avais pas beaucoup. Hein. Qu'est-ce que j'avais prévu? Je me souviens plus du tout. Et franchement, le ciel il a vraiment changé. On a un beau ciel bleu avec des nuages. Ah, mais j'ai une plus mauvaise que. Ah oui, moi j'ai une mémoire qui est juste horrible. Ce qui me fait d'ailleurs défaut des fois quand je suis en cours. Hein. Qu'on puisse voir ce qui manque pour avoir oxygène 100%. Oula, je dirais qu'il manque encore beaucoup. Hein. Ah, qu'est-ce qui va tomber dessus là? Ah, ça fait deux tempêtes de sable à la suite. Avoir le diagridium. Par contre, je vais voir un petit peu là-haut s'il reste pas du supérieur que j'aurais pu oublier. Alors, aussi compté par un, c'est galère, du coup, je vais faire le tour. Ah, bah, moi, un truc qui me que j'ai hâte d'avoir, c'est de pouvoir boire directement dans les lacs. C'est tellement plus simple. Mais non, je commence un petit peu à connaître la map. Malgré que j'ai un sens de rotation qui est juste à chier. Ah, c'est une horreur. Ma copine pourra témoigner. Hein. Mon sens de rotation est juste infect. Hein. Clairement, je suis le genre de personne qui. Pour qui la question du GPS, c'est un besoin vital. Hein.
le son est un petit peu trop fort. Alors, je baisse un petit peu le son. Là, par contre, est-ce que la musique fonctionne? Parfois elle coupe. Ah. Et j'ai même promis que sur Hades en fait. Hein. Alors, à savoir que Hades, du coup, après mon dernier stream, du coup, pour ceux qui verront la vidéo de mardi, la vidéo qui sortira mardi, bah, du coup, le problème de son n'avait pas encore été réglé. Aïe, le problème de son n'avait pas encore été réglé. Donc, du coup, bah, vous aurez encore une vidéo avec le son qui se vend en sucette. J'ai trouvé ça. Et là c'est bon. Il y a que je trouve monté, c'est ça. Ça parle pour voir, bah je parle. C'est pas mon faute hein, si t'es qu'ils écoutent pas. Hein. Tu prends un petit peu d'eau, tu vois. Grand chose hein. Donc, je vais passer en face si je veux par là. Donc, ça c'est quoi encore pas mal du sparage là. Moment supérieur j'ai pas en manqué. Enfin, j'ai pas manqué avant un petit moment. Parce que là c'est que je vais poser des extracteurs qui pour avoir du sparage. Du coup là vu qu'il fait nuit je commence à bien moins voir ce que je voulais faire. Alors, je suis encore un petit peu malade donc je suis désolé parce que tout c'est quand même pas mal pendant le live. Le portable qui s'excite. Je crois qu'on va rentrer à la maison. Hein. Oh oui, on est quasiment plein. Mais moi j'ai pas capable de fonctionner, du coup je me suis pété une jambe. Et je vois. Je me suis pété la jambe. C'est quoi que j'ai foutu là-bas? Ah oui, c'est l'extracteur. Tuberculose. Ah sympa, c'est gentil ça. Non non j'ai pas la tuberculose, je vous rassure. Je suis très souvent malade au niveau du pont et quand pas à ce moment là. Alors on va ranger un petit peu tout ça du coup. Du grillon qui va là. J'ai de l'alu. Non, de l'alu. Un peu d'alu. Non, magnésium, j'en ai trop. Du fer, j'en ai trop. C'est bon. Super alliage. Ah, ils ont une bonne petite réserve, n'empêche. Hein, c'est pas mal. Au
niveau du manger. Le manger. Récolté ou pas? 89%. Oh, attends. Je me demande si j'avais pas envie de faire des trucs comme ça. Des épargnants de graines. Le son n'a pas été à l'heure de couper, mais trop fort par rapport à ta voix. Ah, je vais essayer de baisser un petit peu. Qu'est-ce qu'on pense là? Il fallait un engrais. C'est pour ça que je voulais. Ça a l'air mieux? Bah nickel. Pour me faire un engrais, il me faut quoi déjà? J'ai oublié la recette. J'ai oublié la recette de l'engrais. Alors, il me faut 3 actes de aubergine et un soufre. Alors, du soufre, par contre, c'est ça qui va se. Non, c'est bon. Mais plus de musique ou alors trop basse. Alors, attends. Musique. Voilà, j'ai augmenté la musique. Juste milieu. Mais quoi? Qu'est-ce que tu fais encore? Il va falloir de l'eau. Il me faut de l'eau. C'est vrai que l'eau pour l'instant j'en produis pas encore beaucoup. Hein. Ah, j'ai oublié de prendre les algues. J'ai pris de l'eau de prendre des algues. Là, il y a un peu de tout. Pardon. Alors, à savoir que je suis très souvent enrhumé parce que en ce moment il y a des changements de température qui font que je tombe assez facilement malade. Mais j'ai également pas mal d'énergie qui font que bah voilà. Je suis pas gâté. Alors, du coup, ce qu'il me faut d'autre, 3 os, c'est combien? 1, 2, 3, magnésium et super alliage. Et il me faut du coup une graine. Une graine, c'est pas foutu quoi. Ouais, oui, oui, oui. Ah, ma copine, elle pourrait que te confirmer ça. C'est-à-dire que j'ai toujours un peu de travers. Et tu en te kiffes pas. Tu dirais que ma santé est catastrophique. Voilà. Allez, pas d'or de graines en plus, qui va faire monter les végétaux et l'oxygène. L'oxygène monte, la biomasse monte pas trop mal. Parce que la biomasse, il me faut pas mal quand même. Hein. La fusée à plantes, ça pourrait être pas mal ça. J'avoue que ça pourrait être sympa. Le problème c'est qu'il me faut de l'iridium. Si je veux faire des fusées. J'ai l'impression que l'eau ne monte plus. Je crois que l'eau, on est bientôt à la phase vraiment là que terminée. Ah, il y a une tempête. Que vu la couleur, c'est quoi ça? Je
c'est un sanatoire ou quoi? Non. C'est pas une. C'est pas un bordement. Faire au niveau de Twitch. Alors en fait, je vais essayer de voir, mais je vous garantis rien sur mes prochains streams. Je stream en 720p et avec le changement de carte graphique, le fait que je suis passé sur d'un disque dur ordinaire à un disque dur AM2 pour tout ce qui est logiciel et mes jeux, plus la fibre, du coup, additionnel à la fibre, je serais tenté de passer mes streams en 1080p au lieu de 720. Le truc c'est que je sais plus comment on fait pour changer ça, il faudra que je regarde. Et je sais pas si ça va bien tenir. C'est là le problème. C'est que je suis tenté de le faire, mais est-ce que le PC va être d'accord? Ça c'est autre chose. Mais j'avoue moi c'est... Oui. J'avoue complètement que ça vraiment ça sent pas mal, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir streamer justement en 1080p. Si on pouvait voir au niveau de l'interface, le. On peut voir sinon ce n'est pas grave. Ouais c'est vrai que c'est pas grave, mais bon, j'aimerais bien. Comme ça, du coup, même mes vidéos du coup sur YouTube seraient de meilleure qualité. Et j'avoue que ça me ferait plaisir. Ah, comme ça je pourrais faire des vidéos vraiment en 1080p sur YouTube et j'avoue ça me va très bien. Il commence à faire jour donc du coup je vais retourner là-bas voir si je peux trouver ce qu'il faut. Ah, comment ça? C'est un coup, mais c'est passé aussi mal que toi. Putain, j'y crois pas. Alors, mon PC m'est foutu que moi, c'est ça le pire. Bon, sachant que je prévois à venir d'upgrader mon PC, d'avoir un autre PC upgradé, qui est pas bien, que je fais petit à petit. Mais j'avoue, ce que j'aime bien faire, c'est. J'aimerais bien me faire une config en blanc. J'aimerais beaucoup me faire une config en blanc. Parce que j'ai un poignet qui est noir, mais vraiment noir avec une vitre en verre trempé sur le côté. Et si je pouvais mettre une config blanche dans un boîtier noir, j'avoue que ça me va très bien. Parce qu'en général, les configs blanches coûtent plus cher. Et j'ai pensé à voir. Ah ouais, là, je suis bourré, hein. J'ai pensé à voir. On est plein là-bas. Non, ça c'est peut-être tout, mais ça va, parce que c'est six. Si ça arrive sur le labo. Alors, je suis très d'accord avec toi. Après, je vous avoue, je suis passé sur une carte du coup, une carte AMD. Alors, j'ai été une carte AMD pendant quelques temps. Et j'en suis très contente. Et je vous avoue, avant, j'avais vu un pizza, putain. Ah la vache. Cette façon de me faire bully à chaque stream, c'est beau. C'est beau.
Mais du coup, je disais, ouais, il y a un moment, j'avais un processeur AMD, donc j'avais été vachement contente. Alors, par contre, vous retrouvez quel modèle c'était? C'était plus de 10 ans. Et j'avoue, je suis tenté de passer, du coup, de laisser tomber les processeurs Intel et de passer sur un Ryzen. Je vous avoue, ça fait un petit moment que ça me titille, que je me pose la question si je vais pas le faire. Et je pense que du coup pour la prochaine config, je pense que je vais assister sur un Ryzen. Faudra juste que je vérifie une chose, mais moi bon, à mon avis, je vais pas trop m'inquiéter, c'est de voir si mon Ryzen est compatible. Mais en mode, très bonne chance que ce soit le cas. C'est un Corsair, c'est je sais que moi mon ancien, mon H100i. Était compatible AMD Intel. Voilà. Il y avait juste un truc à changer dessus. Je crois que c'était au niveau des fixations, il y avait un petit truc à changer. Mais c'était en full compatibilité. Hein. Ryzen, c'est pas mal de ce que j'ai eu. Ouais, pareil, c'est. En ce moment, je regarde pas mal une chaîne YouTube qui s'appelle FNK Hardware. Et le mec explique super bien. Et c'est vrai que quand tu vois les perfs des processeurs AMD, bah pourquoi pas quoi? Parce qu'en général, il y a toujours très souvent, il y a. Alors, des fois, la différence est légère, hein. Mais il y a une petite différence de prix qui est pas négligeable pour les mêmes performances. Donc, du coup, pourquoi pas quoi? Par contre, en général, le problème c'est que qui dit changement de processeur dit changement de carte mère. Et le problème c'est que changement de carte mère dit souvent changement de RAM. Moi, faut que je sois encore en DDR4. Du coup, il faudra que je passe sur la DDR5. Donc, du coup, hop, non, 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 non. Ah, je me suis pété une jambe. Du coup, il faudrait que je change bah, du coup, beaucoup. Donc, du coup, le mieux pour gagner un petit peu de prix et alors, légèrement et avoir vraiment quelque chose qui soit totalement compatible, c'est d'acheter ce qu'on appelle l'équipe d'évolution. L'équipe d'évolution, pour ceux qui savent pas ce que c'est en général, c'est un lot qui existe que ce soit sur LDLC ou sur Topacha, ou même sur d'autres, même je suis sûr qu'on peut même en trouver sur Amazon, hein. On peut en trouver partout. Je pourrais dire aussi Krobi, c'est Dinko, c'est Discount, enfin tous ces trucs là où on peut acheter du matériel de PC. Voilà, très souvent, bah il y a la carte mère avec le pros et en général aussi la RAM. Alors, la RAM, pas toujours. Alors, on est bientôt à la phase de lac. Et du coup, bah, c'est pratique pour pouvoir acheter vraiment quelque chose qui soit entièrement compatible. Parce que c'est vrai que tu as souvent. Quand on fait un PC soi-même, on passe pas mal de temps à vérifier que vraiment tout est compatible ensemble. Enfin, je sais que moi en général, c'est je passais beaucoup de temps à regarder que tout était compatible. Alors, je suis parti chercher de l'aluminium, du truc. Alors là, c'est vraiment pour l'instant un début de live full farm. Ah. Mais là, j'ai besoin. De ressources, pardon si je baille, je suis assez fatigué de la semaine. Ah, les cours ont été assez barbants. Le truc, c'est que je me dis que j'ai encore des devoirs à faire. Pour que je trouve un petit peu de temps pour pouvoir les faire quand même demain. C'est un peu plus du jeu, j'ai envie de te dire. Ah, bah, oui, bah oui, tout à fait. Le farm fait partie du jeu. C'est que j'ai un bruit de pluie mais il pleut pas dans le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Les petits devoirs pour lundi. Là c'est ça, à 9h faut que j'ai une fiche en rond pour lundi 9h et je crois que j'ai un autre truc à faire pour mercredi. Dans le truc de mercredi d'ailleurs je suis en galère totale parce que j'ai beaucoup de mal à le faire. Voilà.
Ah, c'est ça pour les études, hein. C'est sûr que derrière t'as le boulot qui est avec. Ouais, c'est ça, bah oui, si j'ai repris mes études, c'est pour évoluer dans ma carrière et voilà. Mais c'est vrai que. Ah, c'est compliqué quoi. D'ailleurs, c'est la personne avec qui je bosse, enfin, avec qui je suis en cours, qui me disent que reprendre justement l'école avec les enfants. Parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que moi derrière, moi j'ai des enfants. Et bah, reprendre l'école avec des enfants, bah. C'est pas simple. C'est pas simple. Des fois, pour réviser, pour étudier, faire ses devoirs, ce genre de choses, suivre un cours. Parce que c'est vrai que moi, j'ai quand même pas mal de cours qui se passent en visio. Ou des fois, c'est juste des podcasts, pardon, si j'écorche le mot. Et bah. C'est pas simple. Alors, du coup. Ah, fusée à plante. Alors, du coup. Ça tombe bien, je voulais voir ce que ça donnait et ce qu'il fallait faire. Donc, du coup, des fois, c'est pas simple. Hein. Ça peut être au repos. Ah non. Sachant qu'en plus, moi, j'ai une formation où je vais faire pas mal de stages. Je vais bientôt d'ailleurs être en stage. Je vais voir pour continuer à stream, mais stream le soir, ça risque de devenir un peu plus compliqué. Il va nous falloir des écorces d'arbres. Ah! Ah. Ah, ça va devenir un peu plus juste. Je crois savoir ce que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. C'est pour ça que je voulais engrais des échantillons de bactéries. Et qu'il me fallait des algues. Je voulais faire le biodôme 2 justement pour avoir les écorces d'arbres. Eh bah ben, c'est parti. Attention, je suis sous l'eau. Hier avant tout, j'ai envie de te dire. Oui, alors là par contre, je suis tout à fait d'accord, ça je vous le cache pas. Ma famille passe avant le stream. Clairement, c'est comme pour les. Moi je l'ai dit en cours, hein. Alors ça n'a pas forcément plu à certaines de mes formatrices. Quand je les ai en privé, j'aurais dit que ma famille passait avant ma formation. Voilà. Et le métier que je veux faire passera après ma famille. Ma famille sera toujours prioritaire sur tout ce que je veux faire. Du coup, il me faut deux engrais et deux échantillons de bactéries. C'est ça. Du coup, j'en prends un pour l'avoir sur moi. Il me faut deux engrais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah oui, j'en ai besoin. Pour ça, les auberges, il va falloir 4 du coup. Et il va me falloir de soufre. Et je crois qu'il va me falloir de l'eau. Un soufre, j'ai déjà le superage sur moi, il me manque plus qu'un soufre. Soufre, la souffrance, ça c'est moi qui joue. Alors, tac 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 tac, dans quel sens il faut que je le bâtisse pour que ce soit un minimum cohérent? Pas de question, parce que du coup ça serait par là, ça serait par ici.
Me manque 22 d'énergie. Ah. Ça va pas passer partout malheureusement. Cette base. Oui, je sais. Je vais rétablir le courant, vous inquiétez pas. EDF s'occupe de tout. Oh putain, j'ai plus d'uranium. Il faudrait que je me lance une fusée pour faire du, pour avoir de l'uranium, mais pour une fusée pour l'uranium, il me faut de l'énergie. Et putain, mais c'est quoi ce truc? Ce jeu me punit, c'est pas possible. Bon, une fusée pour avoir de l'uranium. Allez, ça me coûtait quoi? Collecteur d'eau de lac. Oh, ça aussi c'est intéressant. Allez, on se concentre pas là-dessus. Allez, on se concentre. Alors, d'uranium. Il me faut du coup de super alliage et 3 cobalt. Je crois que tu t'es planté là. Je suis complètement. Complètement. Ce que je vois, c'est que je ferai la construction de l'extérieur, c'est-à-dire plus vite. 3 cobalt. 1, 2, 3. Et 1, 2. Et 2 super alliages. Parce que les autres super alliages me servent pour ça. Mais ce que j'ai en plus, je le fous là. Que je fasse un petit coffre qui me sert pour les petites constructions que je dois faire après. Et limite, je vais le mettre là. Non, là, ça remplira, toute la pièce qui est vide. Voilà, elle est remplie la pièce. Allez, on va faire une fusée à uranium. C'est parti. Et on repart sur une course à l'énergie encore une fois. Et c'est parti pour une nouvelle fusée. Dis-moi d'être aussi près pour un lancement de fusée, normalement je suis mort. Hein. Non, je vous prends tout la charlotte dans la gueule. En puissance de base. Le jeu est très lumineux. Comme j'expliquais, le coût du fait qu'on passe notre temps à devoir vérifier nos réserves d'eau. Le fait qu'on porte un masque, et je vous ai expliqué que c'était ultra cohérent par rapport à mes expériences que j'avais eues quand j'étais plus jeune, notamment quand je faisais la plonge sous-marine et quand j'étais pompier. Le fait de porter ce genre d'équipement, on est vraiment en respiration avec, avec une bouteille d'oxygène et tout. Enfin, bouteille d'air, pas une bouteille d'oxygène, je crois, parce que c'est pas une bouteille d'oxygène, c'est une bouteille d'air. Bah, ça consomme et ça fait ça assèche énormément les muqueuses. La muqueuse buccale, donc forcément, il y a une sensation de soif qui est juste énorme. Et pareil, ça ne sèche pas que du coup les muqueuses buccales, parce que ça sèche également les poumons. Surtout, ça dépend surtout également de l'endroit où on se trouve. Parce que forcément, si on capte de l'air dans un milieu qui est assez humide, bah, du coup, l'air sera,
l'air qui est comprimé sera également humide. Et après, si le bon vieux temps, putain, t'as fini de foutre la gueule par rapport à mon âge, oui. Je sais que je suis loin d'être la plus jeune des streameuses françaises. Pour les streameuses trans françaises, je sais pas du tout. Mais voilà. Et par exemple, si. Alors, attention, je vais sous l'eau. Si si par exemple on prenait de l'air, on comprenait de l'air qui irait de. Bah, par exemple, moi j'ai fait de la plongée à Antibes. À Antibes, on est au bord de la mer. Donc forcément, bah, l'air il est marin. Donc du coup, il y a un taux de sodium et de sel du coup dans l'air qui est plus important. Et même comprimé, du coup, à respirer, bah ça sèche beaucoup. Ah, c'est genre de petites choses à prendre en compte, hein. On pourrait croire que c'est juste remplir une bouteille et voilà. Non, c'est bien plus complexe que ça. Beaucoup plus complexe. Il n'y a pas qui ne tombe pas. Je vais sous l'eau vite fait. Ah ouais, j'ai raison. Autant de celle que dans sur Hades. Je sens que j'ai entendu parler de ça de mon dernier stream sur Hades. Ma dernière vidéo où j'ai littéralement pété un câble. Oh, je vais mourir. 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 Je vais mourir sur la terre ferme. Au moins sur la terre ferme. Au moins sur la terre ferme. Eh, ça fait longtemps que j'étais pas mort. Oui, merde. Je suis mort sur la terre ferme. Yes. Attendez, c'est chercher ce qui me manque. Ah, je sais que tu jubiles au fait que je sois morte. Hein. Je le sais, je le sais. Ah, c'est une mono qui adore voir sa streameuse mourir. C'est impressionnant. Bon, allez, je vais sous l'eau. Je vois pas le débris de météore là, mais je vois pas beaucoup de radium. J'arrive bien par là-bas, mais on ira après. J'avais qu'à en voir un. J'avoue, je te dis un GG, mais non, je me suis dit non, sois sage. Alors, toi, sage! Alors, par contre, je prends le stream à témoin. Awena a dit qu'elle serait sage. Je pense que ça va pas durer sur la durée du stream. Hein. Je pense que ça va très vite se barrer en 6-7. Hein. Attention, je suis sous l'eau. Pour les thalassophobes, je vous préviendrai quand j'ai le saut. C'est vrai que sur le premier stream, j'ai oublié de le faire. Hein. Mais. Promis, je le ferai. Je vous prendrai en compte les thalassophobes. Ah, parce que pour moi, c'est normal. Hein. J'avais pas dit ça, je dis. Et la prochaine fois, je dis GG pour la peine. Ouais, quelle saloperie celle-là. Merci, mais de rien, voilà, c'est normal. Je suis un minimum humain. Un minimum, je précise. Après, on va dire que je suis gentil et tout. Ah, rien que des pensées, ça. Oui, ça me fait des frissons. Oui, ça me fait peur. Moi, gentil. Déjà ça. bah du coup je me demande si j'ai pas. Oh putain, j'ai plus d'oxygène. Ça va que c'est là, ça va arriver là. Ah mais j'oublie de vérifier mon taux d'oxygène. Du coup
ça me donne quoi en uranium là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attends, il m'en faut combien pour faire un Gen2? Il m'en faudrait 3. Là, je pourrais en récupérer une, donc il m'en faudrait 2. Plus la poudre explosive. Il faudrait que je fasse au moins 2. Non, perdu. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez. 5, 10. 3, 15. 16, 17, 18. Oula, j'ai mon cerveau qui a bugué. Pour les soufres, il faut quoi? Je crois qu'il faut du soufre déjà. Deux soufres et un d'iridium. Oh putain, l'iridium. C'est vraiment oui, je crois que j'ai toujours un produit, un petit comme produit. Hein. J'ai toujours un tien. Super allié, je le récupère là-bas. Là-bas aussi, il me faudra un dos. Un dos. Là, normalement c'est bon. On va compter là, ça risque de tout couper. Alors, vous inquiétez pas, je remets le courant tout de suite. Vous inquiétez pas, EDF est sur le coup. Voilà. Du coup, là, il nous reste combien d'énergie? Non, c'est pas mal quand même. Hein. On a 297. Yes, ça c'est bon. Mauvaise souche. Mauvaise. Ah, mais. Quand même. Quand même de quand même. Alors. On recommence. Qu'est-ce qu'il faudra que je le fasse pour que ce soit minimum cohérent? Il faudra que je le fasse là, quoi. Je peux pas vous embaucher mes gosses chez DM, l'électricité qu'ils utilisent, c'est des bons clients. Ah ouais, ça c'est les enfants, ça. Alors là, par contre, je te rassure, j'ai tout à fait la même chose à la maison. Oh, Nala. Ah, quoi, les débris commencent à disparaître, du coup je vais les retrouver plus facilement. Ah, le mieux c'est d'y aller la nuit. Hein. J'espère que le son du jetpack est pas trop dérangeant, parce que je sais qu'en général moi quand j'ai des volets sur ce jeu, le bruit du jetpack devenait vraiment insupportable. Ça passe, nickel. Merci. Oh, c'est super beau. J'adore ce biodôme. Alors,
Du coup, ce biodôme, le T2, lui, il va nous fournir en écorce d'arbre. Du coup, c'est ici qu'on les collecte. Et... Putain, ça rend super bien, en fait. Et voilà. Et du coup, avec celui-là, bah, du coup, on va pouvoir faire... du coup, c'est quoi que je voulais faire? C'était la fusée, il m'en fallait une. Il m'en fallait une. Sauf que je vais lancer une fusée pour ça. Il me faut comment faire votre fusée déjà? Du uranium, il part. Ah putain, il faut le paradis, les gars. Ah, je suis welcome. Alors, Riley, ah, c'est notre poteau. Alors, utilise des terres de minerais sur différentes zones pour extraire les minéraux dits spécifiques et les qui sont vraiment importantes et aident à pousser notre génération 2. Chiffré. Merci Riley, on le t'a dit. Mais merci d'être passé. Par contre, je sais pas en combien de temps ça génère de l'écorce. Ah, j'avoue, j'aimerais bien savoir. Ah, par contre, vu qu'on a branché ça, je me demande combien il nous reste de. Alors, du coup, on a fini la phase là, du coup, on va aller sur la phase mousse. Alors, je suis que la mousse, en gros, c'est un petit peu la mousse qui va se trouver un petit peu partout, notamment sur les pierres et sur le sol. Donc, du coup, le lac est à son maximum en termes de hauteur. Du coup, bah, mes algues, je vais laisser là, et il faudra que je mette un collecteur d'eau ici. Je tenterais bien un truc, je voudrais en trouver du fer. Il me faudrait du fer. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement là-bas. Oui, de la mousse, voilà. C'est de la mousse, après on passe sur la phase herbe, je crois. Et etc, etc. Après, il y aura des arbres et tout. Il y aura un endroit au moment je vous montrerai, on fera sûrement, sûrement un labo là-bas. Que je regarde, c'est pour faire. C'est navrant. Tu vois. Oh, il y a de l'uranium là-bas. L'uranium? Je veux dire, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à Fallout. C'est peut-être normal, vu que j'ai quand même pas mal joué. Fallout 76. Qui est ma plus belle expérience dans le monde de Fallout. Alors, je pense que les fans hardcore de Fallout vont juste me taper sur les doigts. Et pour moi, c'est ma plus belle expérience jouée sur Fallout. Bombe comme ça là. Ça dépasse de l'eau. Je vais un petit peu dans l'eau. Je peux pas mettre ailleurs. Alors la question c'est pourquoi? Est-ce qu'il y a un truc qui gêne? Je vais sous l'eau. Alors, il y a un truc qui gênait. Trois bioplastiques. Sachant que je ne produis pas encore moi-même mon peu plastique. Ah. Il me faut un terre de plus pour pouvoir avoir la plus là. J'ai ce qu'il faut mettre sur moi. Aïe 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 aïe.
bouge pas. Yes, une écorce. Allez, bon, du coup, je finis ça. Alors, je vais faire lui et après, du coup, on se fait une petite fusée à graines, à plantes. Ça pourrait être sympa. Et après, du coup, je ferai la petite pause. Voilà. Après, je ferai la petite pause pour couper pour YouTube et bah, me faire une petite pause et je reviens tout de suite après. Vous inquiétez pas. Il fallait quoi? J'ai oublié. 3 bulles plastiques et de l'aluminium. 3 bulles plastiques. C'est vrai que par contre la base est sombre quand même la nuit. Hein. Même quand elle est alimentée, c'est sombre. 1, 2, 3. Je fais ça bien, hein, vous avez vu. Hein. Ça consomme beaucoup, ça. 19 quand même. Ah ouais. HP XI d'ici. Par contre, je suis quand même un petit peu haut. Hein. Ah, pardon, je suis tombé dans l'eau. Ouais, j'avoue, je me la pète un petit peu. Ah, nickel, ça va être cool. Et je vais chercher les algues sur du solo. Et voilà, c'est une petite passerelle pour aller chercher l'eau. C'est nickel. On va se faire une petite fusée. Il ne faut pas voir la fusée d'ailleurs. Il faut qu'on voit la fusée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les comptes pour la fusée et on lancera en début de live. Et ça fera du coup pour la chaîne pour YouTube. Ça nous fera un petit début de vidéo avec un lancement de fusée. Il faudra quand même venir. Ah, c'est bon, j'y vais, mais je ne retiens pas ce qu'il me faut. Ok, je suis tombé. Alors, du coup, il nous faut, on va noter, un moteur de fusée, deux super alliages, un engrais et une garnie de l'Irma. Je me tourne des mots de me touche. Ok, là. Qu'un seul collecteur qui fait de l'aubergine. Par contre, ça pose un souci. Je peux pas le faire, du coup bah je vais prendre la pause. Oh putain.
Bon, du coup, je vais couper là pour maintenant. Du coup, pour YouTube, on se retrouve du coup la semaine suivante lorsque cette vidéo. Du coup, normalement, je pense que je dis donc suivant. Du coup, vous aurez droit à un joli enregistrement de fusée dans la prochaine vidéo. Twitch, je reviens dans 5 minutes. Si on peut YouTube, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour dire ce que vous pensez du coup de la vidéo. S'il y a des choses que vous voudrez que. S'il y a des choses que je pourrais améliorer ou si c'est bien. Voilà. Du coup, bah, YouTube, j'ai